Oui, alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avant de répondre à vos questions, j'aimerais vous dire pourquoi j'ai fait ce site YouTube. Figurez-vous que il y a quelques années, j'étais en train de faire un site personnel, mon CV en fait. Et il fallait tout de même ajouter des vidéos, puisque j'étais réalisateur de télévision. Et donc, j'ai créé ce site YouTube. À partir de là, en février 2022, voyant la non-information de certaines chaînes de télévision, j'ai essayé de reprendre certaines informations et de les grouper dans une revue de presse. Une revue de presse que vous avez maintenant tous les jours sur mon site. Bon. Alors maintenant, j'aimerais commencer par la première question qui me paraît très importante, moi. C'est une question de Minja 7402, Minja 7402, qui me dit: pourquoi êtes-vous devenu pro-russe, Philippe? Vous étiez un super journaliste de terrain. Que s'est-il passé? À jeter, je ne le suis plus, certes, pour une simple et bonne raison, c'est que je ne travaille plus. Voilà. Mais si vous mettez ça au passé tout simplement parce que vous me dites pro-russe, eh bien vous vous trompez complètement. Je ne suis pas pro-russe, mais je suis très, très anti-américain. Moi, durant ma vie, j'ai vu ce qu'ont fait les États-Unis dans le monde. J'ai commencé au Vietnam, où les Américains ont abandonné d'une façon lamentable les Sud-Vietnamiens. Et tout au long de ma vie, j'ai vu ce que les Américains, les USA, ont pu faire. Ont pu faire dans le monde. Au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, les Américains et une coalition est rentrée en 1991 en Irak. Au nom de la démocratie, les États-Unis et l'Europe ont pesé sur la guerre de Bosnie-Herzégovine. C'est le moins qu'on puisse dire. Au nom de la démocratie, les Américains sont intervenus en Somalie et ont laissé un pays complètement dévasté. Au nom de la démocratie, les Américains, évidemment, sont intervenus avec les Européens au nom de l'OTAN au Kosovo, alors qu'ils n'avaient absolument pas le droit de le faire, et en Serbie, ils ont bombardé Belgrade. Au nom de la démocratie encore, les Américains sont rentrés en Irak, malgré l'interdiction formelle des Nations Unies. Au nom de la démocratie toujours, les Américains, ensuite, sont intervenus en Libye avec les Européens et en particulier la France pour sauver les populations de Benghazi. Alors voilà, je suis très, très anti-américain. Tout au long de ma vie, j'ai vu ces gens faire des erreurs ou plutôt pousser d'autres gens à faire des erreurs. Voilà pourquoi je ne suis pas pro-américain, mais je ne suis pas pro-russe. Mais je constate vraiment que les Russes, là, en Ukraine,
ont simplement réagi à des bombardements du Donbass par l'Ukraine de Kiev et de M. Zelensky. Voilà. Lily Angie me pose la question suivante. Croyez-vous qu'un jour la France pourra se relever et redevenir une grande puissance ou elle est complètement condamnée? Non, 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 Lily, je suis persuadé que la France pourra, comme d'habitude, se relever. C'est un pays qui s'est toujours relevé. Il a été complètement à plat et il s'est relevé. Toujours. Après les campagnes de Napoléon, après toutes ces catastrophes épouvantables qu'il y a pu y avoir en France, le pays s'est toujours relevé. Non, je crois que la France n'est pas finie. HIJ.OM 3VV me pose la question suivante. Que pensez-vous du Vietnam aujourd'hui après avoir quitté Saigon en 1975? Je ne peux pas vous dire ça, je ne suis pas allé à Saigon depuis, comme vous l'avez dit, 49 ans. Ce que je sais par contre, c'est que le Vietnam va commencer à remplacer son ennemi héréditaire de plus de 5000 ans, la Chine, dans la production de plein de choses. Donc le Vietnam est un pays en pointe actuellement. Alors, l'autre jour, je bavardais avec un Vietnamien qui me dit la chose suivante, et ce sera votre réponse, qui me dit la chose suivante, écoutez, on peut devenir maintenant au Vietnam milliardaire, mais il ne faut pas se fâcher avec le régime qui est communiste. Peut-être. Alors, pour aller plus loin, je vais en avril, en fin avril, être à Saigon. Donc là, je pourrais vous dire ce que j'en pense maintenant. Je vais aller à Saigon, puis je vais aller au Cambodge, qui a été dévasté par les Khmers rouges. Je vous dirai ce que j'en pense 49 ans après. William Tiech, 1191, me demande la chose suivante. Bonjour, Israël vient à Paris pour les Jeux Olympiques. Eh oui. Pourquoi Israël peut-il venir après les massacres qu'elle a fait sur les civils palestiniens et que la Russie en guerre ne peut pas? Est-ce une étrange démocratie, une étrange décision démocratique? Les institutions internationales sont tenues par les Occidentaux. Et donc, évidemment, quand les Occidentaux se battent, car on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas dire qu'ils ne se battent pas, ils sont en Ukraine, ils se battent contre les Russes. Eh bien, quand les Occidentaux se battent contre les Russes, ils ne peuvent pas accepter les Russes aux JO. C'est logique. Par contre, en effet, vous avez raison. Ils sont d'accord pour qu'Israël vienne. Plus de 34 000 morts à Gaza, civils, pendant 6 mois, je crois. Et oui, 15 000 morts civils en Ukraine pour plus de 2 ans, de 2 ans de guerre. Et oui. Mais c'est ainsi. Les institutions internationales actuellement sont tenues
par les Occidentaux d'une main de fer. Bonjour, j'ai une question pour dimanche. Où va la presse écrite et audiovisuelle, voire radiophonique? Il y a plusieurs années, j'étais un lecteur de la presse quotidienne et de magazines. Ainsi, rares furent mes journées sans acheter un ou deux journaux. Aujourd'hui, avec Internet, on voit comment l'information est corrompue. On voit que certaines images nous sont refusées et que certaines interventions sont totalement ignorées. Alors oui, vous avez raison. Sur Internet, certaines images nous sont interdites. Il y a encore ce matin, vous voyez, c'est tout à fait frais, je voulais mettre en ligne une vidéo sur les grandes fêtes d'Odessa au printemps et en été. Les grandes fêtes au club Ilidja. Eh bien non, cette vidéo m'a été refusée. Eh oui, absolument. Alors, notre presse. Je crois que la presse n'est pas complètement vérolée. Regardez, le monde diplomatique est un format absolument extraordinaire. Alors évidemment, c'est un mensuel, il y a beaucoup plus de recul. C'est un journal qui offre à ses lecteurs des lectures tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Beaucoup plus équilibrées. Beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus ouvertes. À droite, à gauche, pro-russe, pro-ukrainien, etc., etc. Et pro-palestinien et également pro-israélien. Donc c'est une panoplie d'articles où vraiment la presse, là, peut donner une réelle intention de donner au lecteur une lecture tout à fait différente. Ouais. Enfin voilà. Voilà. Alors je ne crois pas que la presse soit définitivement foutue. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il y aura toujours des journalistes, toujours, qui feront la balance et qui ne verront pas les choses en noir et blanc. Toujours. C'est ça le problème de la presse, c'est qu'ils voient les choses en noir et blanc. Alors aujourd'hui, le noir, c'est Poutine et le blanc, c'est Monsieur Zelensky. Aujourd'hui, le noir, évidemment, c'est Gaza. Et le blanc, eh bien, c'est Israël. Mais je pense que ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. Rodolphe Navarro, 43-53, me pose une question. Alors là, bon, cette question, je vous la lis. On verra. Que pensez-vous de l'affaire Madame, entre guillemets, diversion, fake news, réalité? Votre avis de professionnel nous intéresse. Franchement, je m'en fous éperdument. Je ne vois pas vraiment dans cette histoire de. Je suppose que vous voulez parler de Madame Macron. Vraiment, je n'en sais rien et ça ne m'intéresse pas. Franchement. Alors. Pundale 5281 me pose la question suivante. Pourquoi le leader palestinien voulait-il assassiner le roi de Jordanie? Si les Arabes, tous les pays arabes, soutiennent activement les Palestiniens, l'existence des deux États, israéliens et palestiniens, serait possible. Oui, alors, vous me posez cette question parce que j'avais fait une vidéo sur la guerre du Liban. Et j'avais notifié au début de la vidéo que les Palestiniens étaient au Liban parce qu'ils avaient fui, la Jordanie après Septembre Noir. Septembre Noir, qu'est-ce que c'est? Septembre Noir, c'est la répression de Hussein de Jordanie après une tentative d'assassinat contre lui-même, contre lui.
de la part de Yasser Arafat, qui était le leader palestinien de l'époque. Oui, en effet, Yasser Arafat voulait assassiner le roi de Jordanie, qu'il considérait comme non fiable, et il voulait s'installer en Jordanie définitivement. En fait, l'assassinat a loupé, et les Bédouins jordaniens ont dégagé les Palestiniens qui se sont enfuis vers le Liban, et ils ont amené, selon moi, la guerre civile au Liban. Bien. Alors, vous me demandez également si les Arabes, tous les pays arabes, soutiennent activement les Palestiniens. Est-ce que, s'ils soutenaient activement les Palestiniens, est-ce que l'existence des deux États, israéliens et palestiniens, serait possible? Oh, je crois là, écoutez, je crois vraiment que ça va être possible, oui. Parce que il serait impensable que Israël continue ce massacre à Gaza. Je pense que Netanyahou va être pris au collet. Enfin, j'espère. Bonjour, à quoi doit-on s'attendre cette année sur la liberté d'expression et la qualité de nos contenus dans les chaînes publiques? Or, à rien en fait. À rien, le contenu des chaînes publiques restera exactement la même chose, c'est-à-dire pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Ça ne changera pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. De toute façon, les chaînes publiques sont complètement vérolées par une intelligentsia de gauche et d'extrême-gauche. Donc moi, je vois vraiment pas le... Ça ne changera pas, vraiment. Et la liberté d'expression sur Internet, ça va être la vis. Ouais, la vis. Avant les élections, d'ailleurs, avant les élections européennes, je suppose. Wefferer, 83-68. Comment pensez-vous que la guerre en Ukraine va se terminer et quand? Ah, et quand? Nul ne sait, à mon avis. Comment va se terminer la guerre en Ukraine? Moi, je pense qu'elle va se terminer par une partition. Par une partition de l'Ukraine, comme il y a une partition de la Corée. En tout cas, ça serait le plus raisonnable. Mais alors, quelle sera la partition? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que les Russes voudront aller jusqu'à Odessa? Ou est-ce qu'ils resteront sur leur position? Nul ne sait. Going South, 16-50. Que pensez-vous du génocide rwandais? Est-ce que, selon vous, la France a une responsabilité dans le génocide? Non, je ne crois pas que la France ait une quelconque responsabilité dans le génocide. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était au Rwanda, un officier français qui était au Rwanda au moment du génocide. C'était un officier des forces spéciales françaises. J'ai eu son témoignage, je vous assure que la France n'a rien eu à voir avec le génocide du Rwanda. C'est à cause de la fabrication, des États après la décolonisation. En particulier, là, ce sont les Belges qui ont... Eh bien, cette partition a été complètement, complètement stupide et non avenue. Ils ont mis les Tutsis avec les Hutus. Ce qui était complètement stupide, vraiment. Et le Rwanda, actuellement, a, dans un autre génocide, qui est le génocide congolais, des responsabilités et
écrasante, écrasante. Moi, je suis allé moi-même au Congo pour voir les mouvements de résistance pro-rwandais. C'était effrayant, je veux dire, effrayant. La population en avait ras-le-bol, ils rejetaient tous ces mouvements de résistance. Eh bien, 20 ans plus tard, encore maintenant, ils font exactement la même chose. Le M24, par exemple, le M24 est une création du Rwanda pour pouvoir continuer à exploiter les mines du Congo. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Bon, je n'ai pris que quelques questions, mais si vous le souhaitez, la semaine prochaine, peut-être, nous aurons une autre discussion. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.